La lutte contre les violences basées sur le genre a connu de grands progrès. Vous savez, le Bénin a été partie prenante des recommandations de Bégin, de la conférence de Bégin et de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et ces instruments internationaux, ces engagements internationaux que l'État béninois a pris, l'a certainement obligé à trouver des moyens et des outils hardis pour continuer la lutte contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces progrès et aussi de ce qui reste à faire? On peut retenir premièrement que l'arsenal juridique de protection des femmes contre ces violences-là a beaucoup grandi. Depuis 2002, le premier test phare que le Bénin a pris et qui a favorisé cette lutte a été le Code des personnes de la famille. Le Code des personnes et de la famille déjà comportait des articles, des aspects de protection de la femme. Quand vous prenez les questions de partage de l'héritage, ces questions-là avaient déjà été évacuées par le Code des personnes et de la famille. Ensuite, en 2003, nous avons eu le test relatif à la santé sexuelle et de reproduction. En 2006, si je ne me trompe, nous avons eu le test contre le harcèlement sexuel. Et ça a continué. En 2011, nous avons eu le test contre les violences faites aux filles et aux femmes. En 2021, l'arsenal juridique du Bénin également, en ce qui concerne la protection de la femme, a été encore enrichi par trois nouveaux tests. Le premier que vous connaissez bien, c'est la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021, qui porte sur la répression des infractions à raison du sexe. Et vous voyez, quand on met côte à côte toutes ces lois, on peut se frotter les mains que le Bénin a quand même mis un cadre législatif qui permet de protéger les femmes. Ça, c'est quelque chose d'important à notifier. Et les derniers tests qui ont été pris l'année dernière notamment sont des tests très innovants, même si parfois certains articles sont que relais. Quand on y voit de près, on comprend très bien que le législateur au Bénin quand même a pris des engagements forts à travers ces tests. Deuxièmement, en termes de progrès, c'est les services offerts aux personnes victimes de VBG. Vous savez, le Bénin a des structures communales de protection sociale. Et quand je parle de protection sociale, j'inclus la protection contre les violences basées sur le genre. Je veux parler notamment des centres de promotion sociale qui sont installés dans toutes les communes du Bénin. Certaines communes même ont plus qu'un centre, notamment à Cotonou, à Bomekalavi, Parakou, qui ont beaucoup plus de centres. Déjà à ce niveau, les victimes sont accueillies, sont entendues, il y a de la prise en charge psychosociale, il y a du référencement, c'est-à-dire à partir du centre de promotion sociale, on peut référencer une victime vers un centre de santé pour se faire prendre en charge, pour avoir le certificat médical, tout ce qui va être peut-être utilisé dans les tribunaux déjà s'engage à partir du CPS. Ça, en matière de services offerts, on peut dire que le Bénin aussi a avancé avec l'existence de quelques centres de prise en charge intégrés qu'on appelle CIPEC. Nous en avons trois au Bénin. Et le surplus des éléments de ce service-là, c'est l'INF. L'INF, avec sa possibilité d'ester en justice, avec sa possibilité d'accompagner le déplacement des victimes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que certaines infractions ont été dorénavant criminalisées et leur résolution ou leur jugement ne peuvent se faire qu'à la criette. Il s'agit par exemple des viols sur mineurs de 13 ans, des relations amoureuses entre enseignants et apprenants. L'INF accompagne
les victimes depuis leur zone d'origine jusqu'au niveau de la criette. L'INF également dispose d'avocats. Et c'est ça l'innovation. Il y avait un gap dans les services offerts en ce qui concerne le VBG. C'était le gap de l'aide juridique et judiciaire. Aujourd'hui, l'INF, avec le pouvoir qui lui est conféré, donne de l'aide juridique aux victimes qui se plaignent à lui. Et ces avocats sont commis pour défendre les victimes dont les dossiers passent par l'INF, avec tous les services connexes. Donc, en termes de services, vraiment, on peut dire que le Bénin a avancé, surtout avec la création de l'INF. Maintenant, en termes de participation communautaire ou collective à la lutte, il y a également eu énormément de progrès. Ce n'est pas seulement l'État qui s'est engagé dans la lutte, mais il y a également les acteurs de la société civile, les ONG de promotion de la femme, de promotion des droits humains, qui initient plusieurs projets pour... Ganho FM mino doto webi wenu radio eno kulonu mewe radio super radio chigan ena chenu mi